Contrairement à ce qui a été annoncé jeudi matin, sur le site de France Bleu, Johnny Hallyday n'est pas mort. La radio a tout simplement été victime d'un piratage. Les fans du rocker peuvent donc souffler un grand coup. Le choc a dû être terrible pour les quelques fans de Johnny à avoir aperçu l'information avant qu'elle ne soit retirée d'Internet. Jeudi 28 septembre au matin, la radio France Bleu publie un article sur son site internet et sur sa page Facebook. Elle y annonce que Johnny Hallyday est décédé des suites de sa maladie. Le roi du rock s'est éteint cette nuit, peut-on lire en titre. Les causes du décès sont encore à établir. La piste du cancer n'est pas éloignée, et qu'il est ensuite précisé. Panique en ligne. Les admirateurs du rocker de 74 ans ne savent plus où donner de la tête. D'un côté, le rocker est bien malade, mais de l'autre, aucun autre média ne semble reprendre l'information, et pour cause, elle est erronée. Johnny Hallyday est en vie, et il compte bien le rester. Rapidement, les critiques fusent sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes demandent à France Bleu de mieux vérifier ses sources à l'avenir. Sauf que pour une fois, le média n'y est pour rien. En 2015, l'AFP s'était trompé et avait annoncé la mort de l'homme d'affaires Martin Boug par erreur. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. En 2008, la chaîne Bloomberg avait, quant à elle, mis en ligne par inadvertance une nécrologie de Steve Jobs qui n'aurait dû être publiée qu'à la mort du PDG d'Apple, 3 ans plus tard. Ce n'est pas non plus le cas, cette fois-ci, point à en croire Maxence Petitjean, rédacteur en chef du site de France Bleu, dont les propos sont retranscrits dans 20 minutes, le compte de la radio a purement et simplement été piraté. Nous avons été victimes d'une action malveillante, précise la radio. Nous présentons toutes nos excuses à la famille du chanteur, ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Bonjour à tous, nous avons été victimes d'une action malveillante sur ce compte qui a permis de publier un faux post annonçant le décès de Johnny Hallyday. Nous présentons toutes nos excuses à la famille du chanteur.